Hello tout le monde. Hello tout le monde. On se retrouve pour un retour de course vite fait. J'ai été chez Leclerc et Lidl. J'ai repris de la viande hachée à mettre au congélateur pour toutes les filles. Les prix. On va commencer du coup par Lidl. J'ai repris du jambon, des tomates anciennes parce qu'elles étaient grosses, moins 50%, et ça c'est pour moi faire tomates farcies. Des tomates cocktail, comme ça, pareil, moins 50%. Un concombre. Vous pouvez commencer à mettre au frais. Hein. Ça, pour si ma soeur n'a pas fait de dessert et que nous non plus, ben, au moins on mangera le cake. Ça, c'est pour les goûters pour l'école. Donc des petits goûters comme ça au chocolat. Ça, c'est pour l'école aussi. Voilà. Il y en a 10 métallisés, 10 fluo et 10 brillants. Pour moi. C'était 4 euros et des cacahuètes. Du fromage Saint-Paulin, de la mozzarella, comme ça. Elle était pas chère du tout. J'avais regardé les prix à Leclerc. Là, elle revient à moins de 7 euros le kilo. À Leclerc, ils étaient à 9 euros le kilo, presque 10. Frigo, s'il vous plaît. Ça, j'ai pris parce que c'était moins 30%. C'est pour moi faire mon entrée de ce midi. Quoi? Voilà. Ça, c'est petit apéro pour Morgane et moi. Ouais. Et pour le petit déj le matin, quand on n'a pas le temps, ben voilà, des Envitas, miel, pépites et chocolat. J'ai regardé un petit peu les calories pour pas que ce soit trop calorique, pour faire attention un petit peu. Une portion, donc un sachet de 4 biscuits, c'est ça, hein. Ça fait 50 grammes et il y a 217 calories, donc c'est parfait. J'ai pris du coup à Leclerc. S'il vous plaît, mesdemoiselles. Merci. Ma fille a déjà enlevé le papier, mais c'est des yaourts brassés de la marque de chez Leclerc. J'ai pris des citrons. Monsieur se fait un. Comment ça s'appelle? De l'eau détox avec des citrons et de la menthe. J'espère qu'il m'a demandé d'en reprendre. J'ai pris deux avocats mûrs à point. Des kiwis mûrs à point également. Des œufs, parce que mes œufs. Ah oui, il faudra regarder, chérie, parce que les œufs, j'ai vu qu'ils étaient cassés, donc ils ont peut-être été bouffés par une bestiole. Donc, du coup, j'en ai besoin. Donc, j'en ai pris une boîte de 20. Je peux y aller. Ouais, comme ça, on pourra. Oui, tu pourras aller voir. Des fructos. C'est un Tiffany qui rentre dedans ou une dragon, moi je rentre pas dedans. Moi je rentre carrément dedans. Bah ouais. Du lait concentré sucré, de temps en temps je prends ça pour que ça change pour monsieur, pour mettre dans son café. J'ai pris des trucs qu'on met dans les toilettes comme ça, vous savez. Ils vont aller en mettre un en haut et un en bas. Et franchement, ils sentent super bon, ils sentent même à travers le papier. Il y avait écrit mamie. Nicole, ouais. Oui. Je me suis pris un répertoire parce qu'il me faut un répertoire pour la formation, donc ça je l'ai pris. J'ai pris ça pour tester. Si vous suivez un petit peu les vlogs, les hauls et tout ça, vous savez que j'ai un chaton qui est très 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 compliqué. Donc j'ai pris ceux d'Action, mais je ne peux pas toujours me contenter d'aller à Action à chaque fois, parce qu'au lieu de prendre un sachet de croquettes, je vais prendre un sachet de croquettes, tatati, tatata, et je vais m'en sortir avec 600 balles. J'exagère, hein, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va essayer celle de chez Leclerc. Du coup, je vais prendre un tout petit paquet. Normalement, je ne prends pas des petits paquets comme ça, parce que ce n'est pas rentable pour nous. Mais ouais, là, on verra bien. C'est au bœuf, au poulet et au foie. C'est quoi qui mange ça? Comment? C'est quoi qui va manger ça déjà? Bah, roquette et coca. Mais roquette est tellement compliqué. Ah, c'est roquette le plus compliqué? Bien sûr. Bon, après, ils mettent des dosages selon le poids. Bon, ça suffit. Ils mettent des dosages selon le poids, mais. Enfin, moi, j'ai ça dispo. Ouais. Voilà. Des croquettes. Ça coûtait pas très cher, ça. J'ai pris deux paquets de coca qui sont déjà à la cave. J'ai pris aussi des brocolis pré-cuits. Alors, j'aime bien prendre les légumes surgelés pré-cuits parce qu'en fait, vu que c'est généralement, ça garde mieux les vitamines quand c'est pré-cuit parce qu'eux, ils le cuisent à la vapeur, moi non. Donc, je fais ça et comme ça, après, même que c'est pré-cuit, ben, j'ai juste à mettre dans la poêle. Les brocolis, je les fais revenir avec. Je fais revenir de l'échalote ou de l'oignon. Après, je mets mes brocolis. Elle fait la bêtise derrière moi.
Ensuite, je remets mes brocolis dans l'échalote ou l'oignon. Je mets du fromage, que ce soit gouda, emmental ou quoi que ce soit. Sel, poivre et un petit peu de crème. Elle est contente. Elle est vraiment pas notre. Et je fais ça, je donne ça avec des pâtes ou avec des patates. Bref, on raconte notre life. J'ai terminé, ça y est, les rentrées scolaires. C'est une pochette, hey, il manquait de ça, mon petit pagnon. Dragan, arrête. Papier, c'est poubelle au lieu de jeter. It's a beautiful adventure. Yeah, ce sera une merveilleuse aventure. Donc, c'est une pochette 4 abords, hein, comme ça. Somme toute très basique. Mais je pensais qu'elle était plastifiée, mais en fait, c'est en carton. Mm-hmm. Bon, en fait, ici, c'est plastifié. Oui. Et là, c'est en carton. Donc, ça fait plus basique. Dans ton carton. Du coup, j'avais déjà pris un concombre à Leclerc, donc ça m'en fait un deuxième, mais c'est pas grave, parce que je vais en faire un aujourd'hui. J'ai pris des prunes, ils étaient à 1,99€ le kilo chez Leclerc. Alors j'en ai pris deux jaunes et deux rouges. J'en prends pas trop, parce que sinon après ça pourrit, donc c'est pas la peine. Donc des petites prunes, on va manger ça. Bah, eux, ils vont goûter, parce que je pense pas qu'ils aient déjà goûté des prunes. J'ai goûté, moi. C'est bon? Papa, il a donné un on diversifie de l'alimentation. De quoi? Oui, ça, non? Ensuite, c'est des prunes. Oui, c'est des prunes. J'ai repris du coup deux poulets comme ça. Il y en a un qui va partir en cuisson pour ce midi. J'ai pris pour aller avec le cake ou alors si on fait un gâteau au chocolat, de la crème anglaise. Ici, ils adorent la crème anglaise. Enfin, surtout mon mari. Normalement, vous voyez, je me contente de la moitié. Sauf que vu que le mari, il adore ça, il est capable de mettre la moitié sur un morceau de gâteau. Ah oui. Hein? Avec une assiette qui fait 3 mètres. Voilà. Ensuite, j'ai repris de la crème liquide fluide. Il n'y avait plus la Leclerc, donc j'ai pris la Elevia, mais je prends souvent un litre comme ça. Je me suis repris des fiches Bristol pour mes révisions. Et j'étais en train de penser, tu sais que ça c'est peut-être mieux que tes feuilles volantes pour faire tes révisions. Feuilles volantes? Je t'aiderai si tu veux. Ça quand je travaillerai, j'aurai plus d'école à faire. Si j'ai mon diplôme et que je travaille, j'aurai moins de trucs en tête. Donc du coup, je t'aiderai mieux. C'est bientôt que je sais si j'ai mon diplôme ou pas. Okay. Bref, donc voilà, ça c'est pour moi ma formation. Donc ça va là-bas. Ensuite, j'ai pris un petit brie, alors je les ai tous tâtés et monsieur, il lui faut de la craie. Un brie tellement dur qu'il pourrait faire frisbee et fracasser un mur. Donc je l'ai trouvé. Un sandal brie, mais en fait tout ça c'est pour ce midi. Hein, pour, nous on aime bien faire entrée, plat, fromage et dessert. Un coulommiers président. Comment? J'ai pas entendu avant. Pardon. Faut que je fasse un dessert. Un roucoulon. Maman, un gâteau. C'est moi qui le fais. Elle devait en faire un déjà. C'est une moi. Brique maman. Tendre. Hé, 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 s'il vous plaît. Merci. Et ensuite, j'ai pris du pâté. J'ai d'abord pris des roulades avant d'aller à Lidl. J'aurais peut-être dû aller à Lidl avant. Mais enfin, de toute façon, ça revient toujours au même. De toute façon, je crois que j'ai payé moins cher Leclerc. Non, à Lidl, elles étaient... Ah, je croyais qu'il était en train de toucher ça. Donc là, des roulades en promotion, ils étaient à 5,90€ le kilo, j'en ai pris une vingtaine. Du pâté au chorizo, ça c'était 17,50€. Et ensuite, j'ai pris du pâté au piment. Alors, c'est écrit Mirabelle dessus, mais c'est pas au Mirabelle, elle trouvait pas le code, c'est au piment. Et du coup, j'ai payé 15,95€ le kilo. C'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, je vais m'amuser à faire à manger là tout de suite. Et puis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo retour de course vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et si vous désirez, à me mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. Mettez juste un arc-en-ciel. C'est l'émoji de la chaîne. C'est l'arc-en-ciel. Je crois que je vais le rajouter dans la description de chaîne. Ou, gâteau. Céline Savier, l'arc-en-ciel. Je vais me rebaptiser. Enfin voilà. Bon allez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bye.